Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Père céleste, nous te bénissons pour cette nuit. Nous te glorifions de tout ce que tu fais déjà. Merci pour les choses que tu feras cette nuit. Que tu touches tout cœur cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui est à être ébranlé soit secoué de tout cœur, de toute vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je demande que tu nous accordes l'esprit de supplication, l'esprit de prière et l'esprit d'intercession. Et Seigneur, nous prions que tout ce qui est entre nous et toi soit supprimé cette nuit au nom de Jésus-Christ. Déverse tes bénédictions sur ton peuple. Ouvre les écluses des cieux et satisfais toute âme cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu crie Amen. Nous allons à Genèse 32. Genèse, chapitre 32, verset 24. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voici Jacob. Et ce Jacob avait un besoin particulier, un besoin perplexe dans sa vie. Il n'avait personne qui puisse le secourir. Mais il a dit que je vais mettre ma confiance en la parole de Dieu sur ma vie. Parce qu'il savait que son secours viendra du ciel. Et puis il était demeuré seul. Il s'était séparé de tout ce qui était avec lui. Et il a tout laissé aller et il a lutté avec un homme invisible qu'il n'a jamais vu dans sa vie. L'homme là est venu du ciel et il a lutté jusqu'à l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ce n'était pas un jeu de 30 minutes, d'une heure, c'était jusqu'à l'aurore. Et il dit, quel que soit ce que cela doit prendre, quelle que soit l'intercession, quelle que soit la supplication que cela doit être, quelle que soit la prière que je dois faire, et il allait prier jusqu'à ce que le problème soit ôté. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici, c'est pourquoi tu es là, que quel que soit le défi cette nuit, quel que soit ce que le Seigneur n'a pas délié, à partir de cette nuit, tu vas invoquer le nom du Seigneur en priant, en suppliant, en invoquant le Seigneur et il t'exaucera au nom de Jésus-Christ. Et ce lutteur du ciel qui est venu, celui-là qui est venu dans la vie de Jacob en ce temps, il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et il ne disait pas, il ne parlait pas au pasteur, il ne parlait pas à l'homme de Dieu, il parlait à l'ange du ciel que j'ai commencé. J'ai mis ma main à cette charrue, je ne vais pas regarder en arrière jusqu'à ce que tu me bénis, je ne te laisserai pas aller. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Un changement est venu. Dans votre vie, un changement viendra. Dans votre famille, un changement viendra. Dans votre vie chrétienne, vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez, un changement viendra. Dans votre courage et conviction, il y aura un changement. Les choses qui vous font mettre le dos par terre ne vont plus vous affecter. Et l'effet
qui vous fait avoir la peur disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Les choses qui vous ont rendu peureux, les choses qui vous ont rendu craintifs et devant l'ennemi du pays, cette nuit, comme tu invoques le Seigneur, comme tu dis, Seigneur, je vais continuer à prier, je vais continuer à intercéder, je vais continuer à t'invoquer jusqu'à ce que la réponse vienne, le courage rentrera dans votre cœur, la conviction rentrera en vous. Et cette puissance d'avancer et avec le Seigneur sans compromettre, en tenant ferme, vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Et dit, quel est ton nom? Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vous avez la relation avec Dieu, le pouvoir avec Dieu, l'autorité avec Dieu, et à votre résolution, il y aura le succès au nom de Jésus-Christ. Et tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vous serez vainqueur. Moi, je vaincrai. Je vais vaincre tout. Vous allez vaincre tous les problèmes de votre vie. Vous allez vaincre toutes les tentations de votre vie. Vous triompherez de tous les problèmes. Les choses qui vous ont vaincu dans le passé, vous deviendrez vainqueur de ces choses au nom de Jésus-Christ. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et il le bénit là. 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 En ce lieu-là, il le bénit là. Ici, pour vous. Ici, pour moi. Il le bénit là. Il va vous bénir ici au nom de Jésus-Christ. L'attente de votre vie sera satisfaite. Le désir de votre vie sera assouvi. La percée que vous cherchez, c'est en ce lieu que ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Il a béni là-bas, il vous bénira ici. Je dis, il vous bénira ici. Je dis, il vous bénira ici. Il vous bénira avec la victoire. Il vous bénira avec le triomphe. Il vous bénira avec le pouvoir. Il vous bénira avec l'autorité. Il vous bénira avec l'onction qui brise toujours et toujours sera brisée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et il le bénit là. Je vois cela. Il dit, il va me bénir ici. Regardez cela, je parle de moi-même. Vous voyez, il y a des gens qui prêchent et disent que leur bénédiction est seulement pour ceux qui écoutent. Mais comme je prêche cette nuit, je vais recevoir une bénédiction, un miracle que je n'ai jamais reçu. Je vais voir celui que je n'ai jamais vu, ce que je n'ai jamais touché. Je vais expérimenter ce que je n'ai jamais expérimenté. Il me bénit ici. Il vous bénira ici. Je dis, il vous bénira ici. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Cette nuit, nous allons voir le message. Attendre et agoniser à Péniel. Attendre et agoniser à Péniel. Cela s'est passé en Genèse avec Jacob. Et maintenant, comme nous allons à Osée, le prophète a appliqué cela et l'a montré à la nation d'Israël. Il a montré ce qui doit être notre expérience. Voici Osée au chapitre 12. Osée 12, verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il a prié, il a fait des supplications.
il a demandé que son besoin lui soit accordé. Et Osée, le prophète, a dit que, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. L'âge qu'il n'avait pas dès le commencement de sa vie. La puissance qu'il n'avait pas au commencement où il marchait avec le Seigneur. En ce temps-ci, lorsqu'il espérait en Dieu, lorsqu'il attendait le Seigneur, il est allé, il a creusé jusqu'à ce qu'il ait atteint l'huile. La puissance que vous n'avez pas expérimentée cette nuit, c'est la nuit pour vous. La percée que vous n'avez pas eue cette nuit, c'est votre nuit de percée. Il lutta avec l'ange. La victoire, le triomphe sur Esaü, sur tout ennemi que vous n'avez jamais expérimenté cette nuit, c'est votre nuit de percée au nom de Jésus-Christ. Entre les versets que je vous lis, je veux que vous commencez à écrire que Jacob, comment Jacob, est-ce que Jacob s'est concentré sur Esaü? Il a dit, cette nuit, cet Esaü-là doit être vaincu dans ma vie. Écrivez le nom. Tout Esaü qui est là, écrivez le nom. Tout Pharaon qui se trouve là-bas, écrivez le nom. Tout Nebuchadnezzar qui est là, écrivez le nom. Y a-t-il un tyran là-bas? Et vous dites, cette nuit, même maintenant, ma vie sera affranchie. Je deviendrai affranchi. Moi, je serai affranchi. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Avec sa victoire, il nous parle. Avec son triomphe, il nous parle. Avec le fait de rester attendre et agoniser, il nous parle. Même l'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Tu as un problème. Tu es à la croisée du chemin. Tu as connu des défis. Il y a une pression sur ta vie. Il y a une maladie, une attaque. Et cela paraît ne pas quitter cela. Celui-ci a prié, l'autre a prié, et la chose demeure là-bas. Tu ne vas pas céder. Cette nuit, ton problème doit être réglé. Cette nuit, ce diable doit être chassé. Cette nuit, cette impossibilité doit être rendue possible. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Et espère, c'est attendre, c'est un autre mot pour attendre. Et espère, c'est un autre mot de prier patiemment le Seigneur. Cette nuit, vous n'êtes pas pressé, vous ne regardez pas l'heure que on doit finir à cette heure, on doit finir à ce moment. Jacob s'est oublié. Tout ce qu'il a dit, c'est que je ne te laisserai point aller, que je ne vais pas cesser la supplication, je ne vais pas cesser la prière. Je ne vais pas cesser l'intercession à moi ce que tu ne me bénisses. Et tous ces problèmes chroniques que vous portez par-ci, par-là, il faut qu'il y ait un moment dans votre vie, il faut qu'il y ait un temps dans votre vie où vous décidez que tous ces problèmes de longue date sont écrasés, que ces problèmes soient écrasés de votre chemin. Vous devez en sortir, vous devez sortir de ces problèmes cette nuit au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la force qui vous a lié, quelle que soit la force du mal qui est dans votre vie, cette nuit, le joug doit être brisé. Cette nuit, nous devons enlever tout ce que le diable a mis là-bas, comme cela va continuer avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Nous disons non à Satan, cela ne sera pas ainsi. Dans ma vie, cela ne sera pas ainsi. Dans ma famille, ce ne sera pas ainsi. Moi, je vais vaincre. Quelqu'un là-bas, je dis, moi, je vais vaincre. Et l'onction va venir sur votre vie. Et l'onction là va briser tout joug dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Attendre et agoniser à Péniel. Vous allez voir trois points. Premier point. Remonter le chemin avant Péniel. Qu'est-ce qui était arrivé avant Péniel?
Qu'est-ce que vous avez traversé avant Péniel? Avant Péniel, qu'est-ce qui était l'histoire avant Péniel? Remonter les traces avant de dire assez, c'est assez. Je dois régler ceci cette nuit. Voyons. Voyons ce qui était réellement arrivé, ce qui était le commencement, la source de ce mal, le commencement, ce qui a initié ce problème. Genèse 25. Genèse 25. Verset 29. Voici la source du problème, l'origine du problème. Et on voit ici ce qui a engendré, généré, causé ce problème. Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi, aujourd'hui, ton droit d'aînesse. » C'était une transaction qui a commencé cela. Jacob voudrait le droit d'aînesse. Et Esaü voudrait son potage. Donc, il y a une transaction. « Donne-moi ce que tu as. » Et je vais soumettre ce que j'ai à toi. Esaü ne passait pas au résultat final de cette transaction. Peut-être il y a un rêve, un songe dans votre vie. Vous avez fait un accord avec quelqu'un. Donne-moi ceci. Je te donnerai, je me livrerai à toi. Donne-moi ceci. Je te donnerai de l'argent. Donne-moi ceci. Et puis, peut-être je vais me marier à toi. Et depuis que la transaction là soit, depuis que la transaction est faite, depuis l'alliance là, tu connais des défis. Mais Dieu merci, vous êtes là cette nuit. Si vous n'avez jamais vu la percée dans votre vie cette nuit, vous allez voir des miracles et la percée. Si vous n'avez jamais vu la délivrance, vous n'avez jamais vu la domination cette nuit. La domination est venue. La délivrance est venue. Dès que vous décidez que je vais attendre, je vais agoniser, je vais prier, je vais avoir la domination. Vous aurez la domination au nom de Jésus-Christ. Verset 32. Et Saül répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Peut-être la source de votre problème, c'est ce fait de jurer. Tu as juré à la personne, peut-être même on a lacéré ton corps et le sang en était sorti. Et lui aussi a coupé son corps, le sang en était sorti. Et vous avez mis le sang là dans quelque chose, vous avez fait quelque chose avec la solution de ce sang sorti de toi. Parce que vous êtes vraiment décidé que je dois l'avoir. Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. C'est là que le problème a commencé. Où que soit le problème de votre vie, cette nuit nous allons déraciner le problème là. Le problème doit partir cette nuit. Le problème doit être détruit cette nuit. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. Maintenant, qu'est-ce qui a suivi? Verset 27, chapitre 27 et verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc,
Je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Vois ceci, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il voudrait transférer la bénédiction du droit d'aînesse à Ésaü et dit, ton âme est venue, ton heure est venue, mais il s'est vendu depuis. Votre temps est venu, mais il a vendu son opportunité depuis longtemps. Ton temps est venu, mais tu as vendu ton opportunité, ton privilège. Et il n'était pas un homme de prière. Il n'était pas un homme de supplication. Il n'était pas un homme de courage convaincant. Il n'était pas un homme qui se repent. Il ne savait pas que quelque chose s'était passé à cause de cette transaction qu'il avait faite. Ainsi, il est allé au champ et voudrait faire le mec que son père aime afin que le droit d'aînesse soit effectué dans sa vie. Mais voilà le verset 17. Verset 17. Et Jacob espérait une telle chose et sa maman le soutenait. Verset 17. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis quoi? Dites-le-moi. Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Nous savons qu'il mentait. En suivant l'histoire, Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas. Il ne le reconnaissait plus. Il y a quelque chose de flou ici que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne peux pas discerner ici. Il y a quelque chose que je ne peux pas reconnaître ici. La voix, c'est la voix de Jacob. Il ne pouvait pas changer cela. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Et il le bénit. Il a volé la bénédiction d'Ésaü. C'est ce que Ésaü a fait. Jacob a fait ici. Et dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Et finalement, Ésaü est revenu des champs. Verset 34. Lorsque Ésaü entendit et que mon père, je suis ici, déverse la bénédiction sur moi, donne-moi cette percée, donne-moi la percée de l'aîné. Il dit, qui es-tu? Je suis Ésaü, ton aîné. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelqu'un est venu ici? Et il a déjà reçu la bénédiction. Il a pleuré parce qu'il a reconnu que c'était l'évidence
de la transaction qu'il avait faite dans le passé. Il l'a regretté. Maintenant, lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, avec mensonge, avec hypocrisie, avec subtilité, avec une vigilance et a ôté ta bénédiction et il a enlevé ta bénédiction. » Et ça lui dit, il dit, « Bénis-moi aussi, mon père, est-ce seulement une seule bénédiction que tu as ?» Et finalement, voilà le verset 41. « Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et, dites-le-moi, et je tuerai Jacob, mon frère. » C'était la source du problème. Et comme vous voyez ce qui était arrivé à Jacob, Jacob a porté cette crainte toute sa vie. Il savait que l'ombre de Ésaü le pourchassait. Il savait que à tout moment qu'il rencontre Ésaü, si le problème là n'est pas réglé, cela dira la mort. Donc, ce n'est pas seulement la bénédiction qu'il a reçue de son père. Finalement, il devait fuir la ville. Chapitre 28, verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, frère de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Il s'est enfui. Quoi qu'il se soit enfui, il devait revenir. Et de retour, je veux que vous voyez, chapitre Genèse 31, verset 4. Genèse 31, verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Ils disaient que je me suis enfui de la haine, j'ai rencontré une autre ici. Je me suis enfui des défis, mais j'ai rencontré une autre ici. Un ou d'autres défis ici. Je me suis enfui du conflit, mais j'ai rencontré un autre état de conflit ici. Que je vois au visage de votre père, qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, de toute ma capacité, de tout mon engagement, de toute mon habileté. Et votre père s'est joué de moi. Il continuait de moissonner ce qu'il avait semé. Il a semé la séduction dans sa vie. Il y a la séduction durant sa vie. Il voudrait se marier à Rachel. Et finalement, Laban lui a donné Léa. Pourquoi tu m'as joué de telle manière, Jacob? C'est ce que tu avais semé. Tu as semé la tromperie et la tromperie t'accompagne. Il ne savait pas que c'est l'heure de prier parce que les choses commençaient à empiler dans sa vie. Les problèmes empilaient. Et ton père, votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Et il leur, finalement, il a dit qu'il allait quitter. Alors, il allait retourner chez lui. Voilà le verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent?
toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Et son retour, ce retour a été appris par Esaü. Revenu, je t'attendais. La haine du droit d'aînesse que tu as volé de moi est toujours là. Et c'est au point culminant. Viens, je vais t'en avoir. Et c'est cela qui a fait de lui un homme qui invoqua le Seigneur. Au fait, sa prière a commencé depuis chapitre 32, verset 1. Voilà cela, Genèse, chapitre 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit: c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Il appelait Seigneur à cause de la crainte, et non parce qu'il l'est, et non parce qu'il croit cela dans son cœur, que mon Seigneur Esaü, je l'appelle Seigneur. Dites à Esaü, je l'appelle mon maître. Dites à Esaü, qui n'est pas mon frère aîné, mais mon Seigneur. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Je vais te servir, ne te gêne pas de l'affaire du droit d'aînesse. Je deviendrai ton serviteur, je vais obéir à toi comme un esclave. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Il essayait de l'apaiser, mais cela n'a pas marché. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Jacob, ton frère Esaü, et il marche à ta rencontre. Dites-le-moi à haute voix, avec 400 hommes. 400 hommes. Et il a rassemblé des hommes vaillants que je ne connais pas le nombre avec lequel il est. Je dis, mais je vais l'éliminer. Peut-être quelqu'un dit que je vais t'éliminer. Cette nuit, ce sera un tournant décisif dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Personne ne t'éliminera. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Il n'y a personne qui vous élimine. Personne ne tuera votre famille. Personne n'exterminera vos enfants. Comme vous venez au Seigneur, vous dites: Seigneur, cette nuit, quelle que soit la chose, quel que soit le temps qu'il faut, cette nuit, je vais m'accrocher aux cornes de l'autel et je vais chercher ta face. Et je sais que cette nuit, ma situation va changer. Cela va changer au nom de Jésus-Christ. Le verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit: si Esaü
vient contre l'un des camps et le bat. Voilà, il est en train de jouer ici avec Esaü, que d'accord, je sais quoi faire. Oui, je vais diviser, oui, mes possessions, mes biens en deux. Donc, s'il vient et rencontre le premier camp et le détruit, donc les gens de l'autre camp qui est resté, et ceux qui sont restés vont fuir. Et Jacob dit, Dieu de mon père, c'est la prière, Dieu de mon père Abraham. Vous voyez là, il y a une prière qu'on fait depuis que vous êtes arrivé à la retraite, vous priez comme Jacob. Mais la prière de cette nuit sera celle qui brisera le dos du chameau. Il priait disant que Jacob dit Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit, il priait pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, il priait. Mais cette prière était superficielle. Cette prière est remplie de stratégies humaines. C'est rempli de beaucoup de calculs. Et délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. C'était sa prière. Il espérait en Dieu, que disant, Seigneur, fais ceci pour moi. Cela paraît qu'il savait qu'il n'avait pas encore de percée. Il y a des prières que nous faisons, et la prière là, la prière qui remplit le temps, la prière qu'on essaie de faire pour tuer le temps, afin qu'on ne dise pas qu'on n'a pas prié, cette prière n'a pas marché, cette prière n'a pas d'effet, cela n'a pas rempli les conditions que Dieu a données, la prière là n'a pas apporté la percée. C'est pourquoi cette nuit, il y aura la prière. Qui va prier? Toi et moi, nous allons prier cette nuit. Et cette nuit, gloire à Dieu, je vois votre miracle venir en route. Je vois la puissance de Dieu venir en route pour vous au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, attendre et agoniser pour la puissance. Attendre et agoniser pour la puissance. Voilà Jacob. Jacob savait, quand il était resté tout seul, et sans qu'il était resté, comment faire des stratégies, adopter des stratégies, organiser les choses, faire le plan avec Laban, il a fait bien de ces choses. Comme il revenait, il a divisé sa famille en deux camps. Et si Esaü a tué ceci, ceci va s'en aller. Il a adopté des stratégies selon l'homme. Et cela n'a pas marché. Maintenant, ceci va marcher. Ceci là, ça va marcher. Dans votre vie, peut-être vous savez comment adopter des stratégies, comment courir, et comment aller de ce bout à l'autre bout. Et tu sais, et superficiellement, comment fermer la gueule de l'ennemi. Mais après, l'ennemi va émerger. Il passe par ce chemin et émerge à l'autre bord. Chaque fois, il se présente. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ce dont nous parlons cette nuit. Ce que vous allez faire, que cet Esaü là, pour lequel vous faites des stratégies, vous planifiez, cela n'a pas marché, cette nuit, vous allez attendre et agoniser. Je dis, vous allez attendre et agoniser.
Et rappelez-vous, et les beaux vieux jours. Et quand on finit le message comme ça, et après que les gens sont allés dormir au dortoir, si vous découvrez que le programme de la vie profonde, du ministère de la vie chrétienne profonde, on a la première retraite en 1975. Et quand on aura fini de manger et à 21h, j'invite les gens de venir pour un autre programme. Et les gens qui ont des problèmes qu'ils n'ont pas pu résoudre, et on commence la prière, et dans la prière, ces problèmes sont réglés. Cette nuit, vos problèmes sont réglés. Votre montagne va partir, va se déplacer cette nuit au nom de Jésus-Christ. Comme vous restez devant le Seigneur et vous agonisez avec la puissance venant d'en haut, vous allez vaincre Esaü. Je dis, vous allez vaincre Esaü. Vous pourrez passer un temps supplémentaire. Vous pourrez prier comme vous ne l'avez jamais fait. C'est pas comme parcourir les messages du programme, mais c'est pour résoudre les problèmes. Vos problèmes sont réglés à cette retraite au nom de Jésus-Christ. Attendre et agoniser. Je vais au chapitre 32, Genèse 32. Je lis verset 12. Genèse chapitre 32, verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Il citait les promesses de Dieu. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer et abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là, la nuit-là, que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. C'est la restitution. Il essayait de faire la restitution. Esaü, tu sais quoi? Le droit d'aînesse que j'ai ravi de toi, c'est ce qu'il a pourvu. Quoique le droit d'aînesse me soit vendu, le fruit de ce droit d'aînesse, les choses matérielles que j'ai reçues de ce droit d'aînesse, les voici, prends ta part, prends ton quota, prends ta part. Et de la mère pour faire un présent à Esaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Et donna cet ordre au premier, quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob. Il n'est pas ton seigneur. Il ne veut pas régner sur toi. Il veut prendre la dernière place. C'est ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face
et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Le verset 22, il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Il passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Et que toute cette façon de gérer les choses ne va pas marcher. Et ça a eu un plus difficile que ceci. Il n'y a personne qui puisse prier avec moi. Vous n'avez jamais appris à prier comme ça. Donc Jacob les a envoyés. Maintenant, il était prêt à rester et à prier. Cette nuit, vous êtes prêts. Il faut dire, je suis prêt. Prêt à agoniser. Cette nuit, vous êtes prêt à agoniser au nom de Jésus-Christ. Jacob, verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme le tint avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors, un homme le tint avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il est lutté, c'était spirituel. Son cœur était brisé. Sa vie était totalement brisée. Il a tout regardé ce qu'il avait. Il luttait à conserver, à préserver ce qu'il avait. Il luttait pour préserver le droit d'aînesse. Finalement, voyant qu'il, maman m'avait dit que lorsqu'elle a conçu, il avait un grand problème et elle a cherché la face de Dieu et Dieu a dit que le petit va régner sur l'aîné, que ce sera Jacob qui aura le droit d'aînesse. Mais je ne dois pas séduire, je ne dois pas mentir. Si j'ai attendu Dieu, Dieu l'aurait fait pour moi. Il luttait avec cette idée, il luttait avec tout ce qu'il avait fait. Et que ici là, j'ai lutté avec ceci, et ici là j'ai mal fait, alors je lutte avec cela. Et comme il luttait avec tout ce qu'il avait fait dans le passé, maintenant, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, lorsque l'ange, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, c'est-à-dire l'ange, le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Laisse-moi aller. Et cessons cette lutte. Je dois retourner au ciel. Je ne veux pas que la lumière du jour me voie comme un visiteur venant du ciel. Je veux m'en aller. Jacob dit, nous avons lutté toute la nuit. Et le pourquoi on lutte n'est pas réglé. Alors je n'ai pas la clarté dans mon âme. Je n'ai pas le témoignage dans mon âme que le problème a pris fin. Ce problème doit être résolu cette nuit. Ce problème doit être réglé cette nuit. Et il dit que je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il le dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et pourquoi l'ange lui posait la question, à savoir son nom? Il voudrait vérifier qu'on luttait. Y a-t-il de changement? Y a-t-il une transformation? Y a-t-il une conversion? Est-ce que tu vas raconter la même litanie de mensonges? Est-ce que tu avais dit à Isaac, ton père, que je suis Esaü, ton aîné? La question te revient. Tu sais, si tu mènes cette vie, ta vie par le mensonge, avant que la bénédiction de passer à l'autre bord ne vienne, à l'autre bord du Jourdain, avant que la bénédiction de passer à l'autre bord du Jourdain, à l'autre bord de Péniel, avant d'avoir la bénédiction de traverser à l'autre bord du ciel, ce mensonge doit revenir. Quel est ton nom? Qu'est-ce que tu avais dit au départ? Où es-tu maintenant? Quelle est l'évidence de ta conversion?
Quelle est l'évidence de ton salut? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Alors cette lutte a fait quelque chose. Ce mensonge est éliminé. La tromperie est ôtée. Cette hypocrisie est chassée. Alors vous serez un nouvel homme à partir de cette nuit. Vous serez une nouvelle femme à partir de cette nuit. Pourquoi tu avais menti au départ? Parce que je dois dire que je suis Esaü si je dois avoir la bénédiction. Maintenant, il a reconnu que je ne dois plus mentir, je ne dois pas mentir. La prophétie va confirmer la bénédiction sur ma vie. Je suis Jacob. La promesse du Seigneur va confirmer la bénédiction sur ma vie. Je suis Jacob. Et le visiteur du ciel, luttant avec moi, qui va déverser la bénédiction avant qu'il ne s'en aille, va confirmer la bénédiction sur ma vie. Je ne dois pas mentir. Mon nom est Jacob. Et vous deviendrez plus grand que Jacob. Vous deviendrez plus élevé que Jacob. Pour entendre votre Amen, verset 28. Il est dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, ne sera plus séducteur, tu ne seras plus trompeur, tu ne seras plus menteur, tu ne seras plus appelé un stratège charnel, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Cette nuit, vous deviendrez vainqueur. Cette nuit, vous serez vainqueur. Ésaïe 40. La victoire. Luttez. Ésaïe 40. Verset 28. Ésaïe 40. Verset 28. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne. Jacob avait de la force et cette puissance a traversé ça, a changé sa vie, même son nom. Cette nuit, la puissance viendra d'en haut. La puissance de filiation descendra d'en haut. La puissance de sanctification descendra d'en haut. La puissance du baptême de l'Esprit de Dieu descendra d'en haut. Et la puissance de suprématie sur vos ennemis descendra d'en haut au nom de Jésus-Christ. Votre victoire est là. La puissance est venue. Et le fait d'agoniser vous conduira au triomphe au nom de Jésus-Christ. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient, c'est-à-dire attendent, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. C'est ce que Jacob avait fait. Il savait que toutes ces stratégies-là, tout ce machiavélisme et toutes ces machinations ne vont pas marcher. Cela n'amènera pas la victoire ou l'attente aux choses que tu veux. Mais quand vous délaissez, c'est mené et que vous espérez en Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous êtes là? Je dis, vous êtes là. Je vais le personnaliser maintenant. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force.
Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Il prend le vol comme un aigle. Elle prend le vol comme un aigle. Il court. Je cours et je ne me lasserai point. Elle court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Je marche et je ne me fatigue point. Elle marche et ne se fatigue point. Mais au lieu de dire lui, eux et elle, au lieu de dire que ce sont eux, je dis moi, je. Qui est la personne là? C'est moi. Mais, il faut mettre votre nom là-bas. Mais, moi qui me confie à l'Éternel, renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Je prends le vol comme un aigle. Je cours. Je cours. Et ne me lasse point. Je marche. Et ne me fatigue point. La puissance de Dieu viendra sur vous. Vous devez attendre Luc 24, verset 49 dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez, vous devez attendre, vous devez invoquer le nom du Seigneur, vous devez dire, Seigneur, je connais la promesse, je connais la prophétie. Et toutes les stratégies humaines, les stratégies charnelles, tous les menées auxquelles je me donnais n'ont pas conduit à la percée. J'ai été à la retraite, j'ai été à des réunions de conférences. Je dis chaque fois, je dis que ça c'est mon attente et je me lève, je prie pour 5 minutes et je dis que j'ai la percée. Tout ce temps-là, la puissance de filiation, c'est comme cela vacille. Et la puissance de la sanctification n'est pas stable. La puissance de l'esprit n'est pas réellement dans sa plénitude. Mais cette nuit, quelqu'un là-bas, il faut dire maintenant, cette nuit, je vais attendre, je vais agoniser. La puissance viendra au nom de Jésus-Christ. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cela va arriver. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. La stérile aura des enfants de miracle. Et le chômeur aura de boulot. Il aura la prospérité, le progrès. Et tout manquement dans votre vie sera pourvu par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Troisième point. Le triomphe de transformation à la Pentecôte. Le triomphe de transformation à la Pentecôte. Nous venons de Péniel. Et nous avons parcouru des lieux de puissance et maintenant nous sommes arrivés à la Pentecôte parce que la Pentecôte est plus élevée que Péniel.
quel que soit ce que Jacob avait obtenu là-bas à Peniel, vous aurez plus que lui à la Pentecôte. Nous retournons à Genèse. Genèse 33. Je lis verset 1. Genèse, chapitre 33. Nous lisons le verset 1. Jacob leva les yeux. Rappelez-vous. Il est resté. Rappelez-vous. Il a attendu et il a agonisé. Maintenant, il aura le triomphe de transformation. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Ils étaient là. Leurs armes étaient dans leurs mains. Leur désir, leur focalisation était dans leur esprit. Ils allaient tuer l'homme là. Maintenant, quelque chose a changé. Êtes-vous là? Oh, j'aurais souhaité venir vous toucher là-bas et vous dire en particulier que votre fait de demeurer, de rester a amené le triomphe dans votre vie. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux serviteurs. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Et lorsqu'il faisait ses menées et planifiait, il disait qu'il me devance, si ceci meurt, au moins je serai vivant moi-même. Et que l'autre... quand aille, si le camp là meurt, l'autre là va échapper. Maintenant, il a pris les devants. La conviction est venue. Le courage est venu. La puissance est venue. L'assurance est venue. La transformation est venue. Y a-t-il quelqu'un là-bas cette nuit? Cette nuit, je dis, y a-t-il quelqu'un là-bas cette nuit? La transformation vient sur vous au nom de Jésus. Tout ce qui est dans le passé, tout ce qui a mis votre dos dans le passé est vaincu cette nuit au nom de Jésus. Tout ce qui a amené les larmes à vos yeux, les pleurs en pleurant pour le diable, en pleurant devant l'ennemi, toutes ces larmes sont essuyées cette nuit au nom de Jésus. Tout ce qui vous a fait ralentir, a traîné les pas, tout ce qui vous a fait redouter qu'ils viennent pour moi, ils vont me tuer. Toute cette crainte cette nuit est supprimée au nom de Jésus. Tout ce qui vous a rendu esclave de Ésaü, esclave de votre ennemi, esclave aux hommes et aux femmes de la société, toute cette servitude est abolie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas esclave. Vous serez un maître. Vous ne serez pas la queue. Vous serez la tête. Vous ne serez pas le dernier, vous serez au devant. Verset 3. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre cette fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. La première fois, après cet incident, lorsque Ésaü a vu qu'il a pleuré, qu'il n'a pas pu retirer la bénédiction, c'était des pleurs d'un ennemi, des pleurs de reine. Je vais l'éliminer. Il ne jouira pas de sa bénédiction. Mais maintenant, son cœur était attendri. Le cœur de votre ennemi est attendri cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent.
elle et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Jacob et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Esaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Je suis dans l'abondance, mon frère. Tu es mon frère. Garde ce que tu es, ce qui est à toi. Garde ce qui est à toi. La victoire est gagnée. » Je dis, la victoire est remportée. Vous avez la victoire cette nuit. Je dis, vous avez la victoire cette nuit. Toutes vos craintes sont dissipées. Vos ennemis sont vaincus. La victoire. Quelqu'un là-bas, criez-moi victoire. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il est disponible favorablement à son égard même ses ennemis. Je n'ai pas entendu votre amen. Quand vous dites amen, la prophétie sera confirmée dans votre vie. La promesse sera confirmée dans votre vie. Le sourire viendra. Les pleurs prendront fin. Voyons, psaume 18, 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. 33. C'est Dieu qui me sert de force et qui me conduit dans la voie droite. C'est Dieu qui me sert de force et qui me conduit dans la voie droite. Dans la voie droite. Votre famille sera parfaite. Vos affaires seront parfaites. Et toutes les confusions et les choses qui vous font avoir des soucis, ceci et cela, comment cela aura la percée? Vous êtes à bout de cela cette nuit. Deuxième Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Maintenant, Jacob avait la victoire. Maintenant, c'est votre tour. C'est mon tour. C'est votre tour au nom de Jésus. On va aux Romains, chapitre 8. Verset 37, Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que quelqu'un là-bas crie amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Premier Jean, chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donnez-moi un autre amen là-bas. Chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas.
et ce Esaü là ne va plus te toucher, et Pharaon ne va plus te toucher, et Sankérib ne va plus te toucher, Nebuchadnezzar ne va pas te toucher. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu vas triompher. Tu vas agoniser comme tu agonises. Tu auras le triomphe au nom de Jésus-Christ. Maintenant, votre heure sonne. Mon heure sonne maintenant. Mon heure est venue maintenant. La percée cette nuit. La percée cette nuit. La victoire cette nuit. La victoire cette nuit. La domination cette nuit. Le pouvoir cette nuit. Vous allez vaincre au nom de Jésus. Et donne la force et la vigueur à ceux qui n'ont pas de force. Il augmente la force. Parce que ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des ailes, comme des aigles. Rien n'empêchera votre progrès, votre promotion et votre victoire à partir de cette nuit au nom de Jésus. Ils courent et ne se lassent point. Vous ne serez plus fatigué. Vous ne serez plus là. Ils marchent et ne se fatiguent point. Maintenant, mon heure sonne. Je dis maintenant, mon heure sonne. Toute chose élevée contre votre vie est rabaissée cette nuit au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout et faites réaliser cela. Tenez-vous debout et faites réaliser cela. Attendez devant le Seigneur jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Où est cet Esaü là? Où est Esaü là? Esaü sera vaincu. Où est cet ennemi là? L'ennemi là sera vaincu. Où est la montagne là? Cette montagne là sera déplacée cette nuit. Parlez au Seigneur. Dis-le au Seigneur. C'est l'heure d'attendre comme Jacob. C'est l'heure de parler, de révéler ton cœur au Seigneur. Quel est ton défi? Quelle est ta difficulté? Quelle est la grande montagne devant toi? Quelle est la situation impossible dans ta vie? Cette nuit, c'est la nuit d'attendre devant le Seigneur. Tu attends jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur ta vie. C'est assez. Assez, c'est assez. Assez d'être vaincu par l'ennemi. Assez de fuir Esaü. Assez d'être un coureur, un peureux. Assez d'être vaincu par l'ennemi. Assez d'avoir échoué. Assez de vivre comme une personne ordinaire. Alors que la puissance du calvaire est là pour briser toujours, pour détruire toute œuvre du diable. Assez de porter les maladies des Égyptiens sur ta vie. Assez de vivre dans la pauvreté abjecte. Assez. Attendez devant le Seigneur, restez devant le Seigneur. Agoniser, prier et triompher. Satan ne va pas te vaincre. Les démons ne peuvent pas te vaincre. Les puissances maléfiques ne vont pas vous vaincre. Tous les défis du passé ne vont pas vous vaincre. Restez devant le Seigneur. Restez en présence du Seigneur jusqu'à ce que vous agonisiez. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force,
Renouvelez votre force cette nuit. Renouvelez votre courage cette nuit. Renouvelez votre esprit cette nuit. Renouvelez la situation de votre vie cette nuit. Devenez un homme différent, une femme différente. Restez. Agonisez jusqu'à ce que vous ayez le triomphe. Tu ne peux pas être vaincu. Tu ne dois pas accepter l'échec. Si tu dis, cette nuit, c'est fini pour moi. Je suis à bout de mon problème. Oh, je suis à bout de la panique. C'est fini, toute affaire de doute. Je mets fin à la soumission de ma vie à un contrôleur humain. Je mets fin à l'esclavage dans ma vie. Être esclave de Satan, esclave de la société, je mets fin à tout cela. Je mets fin au chancellement, à la montagne et à la vallée. Je mets fin à cela. Je mets fin à la faiblesse de caractère d'un homme. Je mets fin à la faiblesse de disposition. La faiblesse dans ma position, dans ma posture. La faiblesse dans mon apparence. Je mets fin à tout cela. Assez, c'est assez. Restez. Agonisez. Jusqu'à ce que vous triomphiez. Esaü doit être attendri, fondu cette nuit. Tout ennemi doit être fondu cette nuit. Tous les cassants hommes qui venaient avec Esaü pour lutter contre votre vie doivent être fondus cette nuit. Restez. Agonisez. Et triomphez des ennemis. Ce miracle doit venir. Cette transformation doit venir. Cette puissance doit être expérimentée. Restez devant le Seigneur. Cette montagne doit être enlevée. Les Égyptiens que vous voyez jusqu'à cette nuit doivent être chassés de votre vie. Vous allez commencer à mener une vie de conviction, une vie d'accomplissement. Vous allez mener une vie de progrès, une vie de courage, une vie d'intrépidité, une vie que vous menez selon votre conviction. Et vous n'allez pas penser à quelqu'un que qu'est-ce que l'homme la fera, qu'est-ce que la femme la fera. Prenez leur vie, prenez votre vie de leurs mains. Ne mettez pas votre vie entre la main d'Esaü. Ne mettez pas votre vie entre les mains de ces 400 hommes. Tenez-vous debout et commencez à vivre. Que la puissance descende. Que l'onction vienne. Que l'autorité vienne. Que cela te fasse mouvoir à l'intérieur.
et que tu deviennes un nouvel homme, que tu deviennes une nouvelle femme à partir de cette nuit. Les choses que tu craignais, que tu ne les craignes plus. Les gens devant qui tu fuyais, que tu ne les fuis plus. Goliath, qui était un personnage tyrannisant pour toi, est devenu un pygmée devant toi cette nuit. Esaü est vaincu. Pharaon est vaincu. Nebuchadnezzar est vaincu. Creusez jusqu'à ce que vous n'aboutissez à l'huile. Creusez jusqu'à ce que vous ne parveniez, que vous atteigniez le niveau d'huile. Les choses sont maintenant différentes. Les choses sont maintenant différentes. Quelque chose m'est arrivé. Quelque chose vous est arrivé. Le miracle est fait. L'huile d'onction qui brille toujours est maintenant sur votre vie. La puissance qui triomphe, la puissance là est sur votre vie maintenant. Et fait le reste du moment de cette retraite soit un moment de rester et de prier devant le Seigneur et d'avoir le triomphe. Au nom de Jésus, nous prions que ceux qui sont transformés de Jacob en Israël, qu'ils disent Amen. Votre prière, votre intuplication a donné la victoire. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Maintenant, j'ai la puissance. Maintenant, j'ai la victoire. Maintenant, j'ai l'assurance. Je suis plus que vainqueur. Levez ces mains là. Votre miracle est venu. Votre percée est là. Votre attente est assouvie. Et ça a eu. Est maintenant vaincu. Et tout pouvoir qui était contre votre vie auparavant est maintenant sous votre pied au nom de Jésus-Christ. Père, te remercions cette nuit. Une nuit d'attendre devant toi. Une nuit d'agoniser devant toi. Une nuit de triompher pour tout enfant de Dieu. Garçon, fille, jeune, adulte. Seigneur, je prie que la puissance vienne sur toute vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que chacun de tes enfants triomphe, qu'il vainque et que tu accordes à tous la percée escomptée au nom de Jésus-Christ. Toute maladie des Égyptiens
dans le corps de quelqu'un là-bas, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. La stérilité, je te supprime de toute ta vie, frère, soeur. Recevez votre enfant de miracle au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont chômeurs, recevez votre boulot de miracle. Ceux qui sont à la croisée du chemin, s'étonnant où aller, que dois-je faire, recevez la vision et la révélation du progrès dans votre vie au nom de Jésus. Assez de marier, vous avez l'âge nubile, mais dis, mais je prie, qui est la personne? Tu vas à gauche, la porte est fermée, tu vas à droite, le chemin est barré. Toutes les portes fermées devant vous. Soyez ouvertes au nom de Jésus-Christ. Os de votre os, chair de votre os, recevez-la maintenant au nom de Jésus-Christ. La personne là qui a juré, qui a dit que aussi longtemps qu'elle vit, aussi longtemps que lui il vit là, que tu ne vas pas réussir, je supprime ce langage d'Esaü au nom de Jésus-Christ. Les portes sont ouvertes devant vous. Les portes sont ouvertes devant vous. Le succès dans votre vie, la victoire dans votre vie, le triomphe dans votre vie. Et comme vous allez quitter ce lieu, vous allez rencontrer le vieil Esaü. Esaü sera fondu. Esaü va pleurer. Esaü va pleurer. Et toutes les bénédictions que vous avez reçues, Esaü ou les parents d'Esaü ne seront pas en mesure de la toucher au nom de Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que victorieux. Vous êtes plus que vainqueur. Seigneur, confirme cela dans toute vie. Merci Seigneur, parce que je sais que c'est fait. Frère, pour ta vie, cela est fait. Ma soeur, dans ta vie, cela est fait. Mes fils et mes filles là-bas, dans votre vie, c'est fait. La voie est déblayée maintenant pour vous. Allez, triomphez dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié.